En montagne, nous, on était seuls. On n'avait pas de problème de mélanger le troupeau avec un autre. Il n'y avait aucun souci. Mais enfin, les marques, même ici, des fois, il y avait un berger là plus haut, les brebis passaient par là, par le chemin. Des fois, une brebis pouvait se mélanger. Il y avait une marque bien caractéristique à l'oreille avant. Ouzeng, aussi dit. On entaillait un petit bout d'oreille, mais lorsque l'agneau, lorsque l'agnel était jeune, toute petite, on entaillait un petit bout d'oreille. Chez nous, c'était un V à l'envers, à l'oreille droite.